Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Oxymode. La dernière fois les amis, on avait continué le temple chinois que j'avais complètement changé de place, etc. Et écoutez, le temple chinois est terminé à 90%, je dirais. On rajoutera peut-être que quelques petits détails à droite à gauche, mais c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire autre chose que je vais vous montrer juste après. Voilà, les gars, je vous dis pas, on va pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc écoutez, par contre, avant que cet épisode commence, je vous invite à bombarder cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et écoutez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Nous sommes dans Oxymode, nous allons pouvoir aller voir notre petit temple chinois qui a bien avancé, les amis. On va aller voir ça. J'ai de la cobble sur moi, vous allez comprendre pourquoi, hein. Donc le temple chinois, ah là, ça a bien avancé quand même, hein. Bon, en fait c'est quasiment terminé, hein. Les seuls rajouts qui resteront à faire c'est vous qui les ferez. Mais en fait je vais vous montrer le temple, mais pas tout de suite. Ah, ça fait du bien avec les shaders quand même, on y voit bien plus clair et tout est déjà bien plus beau, hein. Avec les ombres là on commence à avoir un truc un peu plus classe, on va pas se le cacher. Ça envoie quand même du steak, hein. Même de loin, on a envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe là-haut. Déjà, vous pourrez remarquer que on n'a plus de portail. En fait, il n'y a plus rien là, dans cette zone-là, il n'y a plus rien. Et donc du coup, là-bas, on va pouvoir faire un McDo. Et ici, on va pouvoir faire des champs de steak. Voilà, ça va être... Pourquoi des champs de steak? Je sais pas, j'ai envie, hein. Donc écoutez, les amis, c'est parti. Nous allons pouvoir monter là-dedans. Donc j'ai commencé à faire le chemin pour vous montrer un petit peu l'idée de ce qu'on va faire dans cet épisode. Mais regardez... Regardez-moi ça, mesdames et messieurs, comment c'est magnifique! Donc on a tous nos portails, je suis pas encore rentré dans les dimensions, hein, donc ça faudra qu'on génère. Tous les spawns de toutes nos dimensions auront changé du coup. Mais bon, c'est pas bien. Oh mince, ça veut dire qu'on aura perdu notre... Ah bah non, j'avais mis un truc portail. Ok. Et en plus j'ai mis des petites échelles là sur les côtés, comme ça on peut accéder aux différents... différentes dimensions. Voilà. Et là, le dernier portail qui nous reste à activer, hein, qu'on a toujours pas fait parce qu'il nous faut l'orbe de minage ou je sais pas quoi, et je ne l'ai pas encore trouvé. Donc avec des petites torches là qui sont accrochées, regardez là, comment c'est trop mignon. Ça c'est super simple à crafter, il fallait un minerai noir et une torche, et voilà, c'était crafté. Le sol, toujours en stone du mode Kaiser. Stone qui est quand même vachement joli, moi personnellement j'aime bien, ça donne un petit aspect un peu vieilli. C'est pas comme les blocs blancs qu'on a juste ici, même s'ils sont super beaux, hein, ça aurait donné un effet beaucoup plus récent au temple, peut-être un peu plus propre, mais c'est bien, moi j'aime bien comme ça. Regardez, on va pouvoir se mettre un petit peu plus en hauteur, regardez quand même à quel point ça a de la gueule. Chaque petit détail compte, hein, vous regardez, on a mis les petites barrières là comme ça, là sur le côté, avec d'autres barrières comme ça, juste au-dessus, que j'ai réutilisé pour les lumières, les lampes, hein, que je vais vous montrer aussi. Donc voilà, pas mal de petits détails qui ont été rajoutés à droite à gauche. On va sans doute encore peaufiner, rajouter 2-3 trucs, mais dans l'ensemble, c'est plutôt terminé, c'est plutôt clean, et en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on a fait aussi, voilà, des petites lampes comme ça, hein, qui se craftent assez facilement. Je vais vous montrer comment on les craft. Chinese, voilà. Ça se craft tout simplement de cette façon. Donc il nous faut juste une redstone lampe, de redstone, des petites stone slabs. Et voilà, ensuite ça c'est crafté. Et c'est vraiment trop joli. Franchement, on adore. Bon, par contre, j'ai plus rien, hein. Vraiment, là on a tout utilisé. J'ai même dû aller reprendre des minerais et tout. Enfin bref, c'est la hesse. Là on a plus rien. Mais aujourd'hui, du coup, les amis, on va s'attaquer au chemin qui va descendre jusqu'à la maison. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh ben, on va aller se faire quelques donjons. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de donjons. Donc du coup, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que bah, ça va venir comme ça. Et je pense qu'on va le faire descendre dès à présent. En fait, on va faire descendre ici. Voilà, et là on va repartir sur le 4. Tac, voilà, ici. Là on va faire tac et tac, comme ça. Voilà, au moins ça m'évite de casser l'arbre. Tu vois, j'ai envie que cet arbre reste là, il est beau, il est pas gênant. Donc on va le laisser ici. Et là, ensuite, du coup, on va faire, hop, on va faire du 4 aussi. Hop. Hop, voilà, comme ça, très bien. Là, eh ben, on va faire de même et on va faire que de descendre, en fait, petit à petit. Là, on n'a pas le choix, en fait, ça va être un peu escarpé, mais bon, c'est pas bien gênant. En plus, avec le mode Aether, on se rappelle que j'ai quand même un item qui me permet de monter comme si c'était des escaliers. Hein. Donc au final, j'ai même pas besoin de mettre quoi que ce soit de plus. J'ai pas besoin de mettre d'escalier, quoi. C'est un petit peu un truc assez cool. Et là, il va falloir qu'on s'arrange parce que, en fait, il va falloir que je coupe cet arbre-là. Et oui, je vais devoir te couper, mon petit arbre. Dommage, tu étais bien mignon. J'aurais bien voulu te garder, mais tu me gênes. Du coup, tu vas partir en enfer. Voilà. Ok. Ça aussi, peut-être, je vais devoir le casser. On verra. Du coup, là, on va continuer de descendre sur 4. Mais on va décaler un peu. Voilà. On va passer là, comme ça. 4... Ça aussi on peut casser. Voilà, et on va faire 2, 2, 2, 2.
va, très bien. Ah, il pleut, mince, j'aime pas quand il pleut. Weather clear, voilà, très bien, il aura plus qu'un bref instant. Et bah là, on va continuer de descendre en fait. Là, on va faire du coup. Là, j'ai fait 4, mais on va décaler encore de 1 du coup. Voilà, là, comme ça. Ici, voilà, tac, là. Ça, c'est très bien. Voilà, de 2. Et on va faire de même à chaque étage. Ouais, on va faire ça. Il y a 4 encore. Voilà, ça on peut tout casser. Très bien. Là, on va avoir vraiment un chemin de ouf. Ça va être vraiment trop sympa. Regardez là, la petite montée et tout. Franchement, trop cool. Vraiment, j'adore. Tac, là, on va faire 2, encore une fois. Et bah là, on va descendre et ça sera le dernier étage à descendre. Ce sera le tout dernier, the last one. Et après, c'est tout droit. Voilà, vous êtes arrivé à destination, monsieur Oxygrac, c'est parfait. On n'a même pas eu besoin de GPS, c'est impeccable. Hop, et voilà. Et ensuite, et bah du coup, on descend juste d'un et on fait le chemin jusqu'à la maison. Donc du coup, là, on fait 4, mais il va falloir qu'on fasse ça bien. Donc, j'ai cassé cet arbre parce que je voulais passer par là. Ce qui veut dire que là, déjà ici, on va reboucher. Voilà, ça, après, on a capté. Ensuite... est-ce que le chemin, je le fais rapetissir vers un 2? Genre, en gros, là, j'amène des blocs. Ouais, on va faire ça, regarde. Là, je vais amener, du coup, jusque là. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est bien, même, c'est parfait. Tac, voilà. Ça, et ça. Vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires du chemin. Si vous avez des trucs en plus que vous voulez que je rajoute, dites-le moi. Et là, on va faire un dernier. Voilà, comme ça, au moins, on reste sur une base de 4. Et on va partir sur du 2, ensuite. Quoique, en fait, non, je vais remettre de la terre ici, parce que j'ai une autre idée un petit peu mieux. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire un chemin comme ça, qui se décale, en fait, au final. Tac. Ah, là, va falloir que je redescende. Ok, il n'y a pas de souci. Et, en fait, du coup, on va faire redescendre ici. Voilà. Et là, après, on n'a plus qu'à passer tranquillement. Jusqu'à la maison. Et voilà, ok, c'est bon, on a notre chemin qui est tout tracé jusqu'à chez nous. Et c'est magnifique. Après on pourra rajouter des petits pilots. Enfin des petites lanternes, quoi, des petits pilotis, j'allais dire. Mais en fait c'est absolument pas le mot que je voulais. Ok, et voilà, c'est bon. Là on a plus qu'à faire tout le chemin. Ça c'est parfait. Ah, ça je vais casser, voilà, nickel. J'ai pas envie qu'on fasse du bug dans tout l'épisode. Donc les lampes on les placera une prochaine fois. Ou je le ferai en hors cam, hein, je le ferai de mon côté. Jusque là c'est pas trop un souci, je pense, pour vous de pas me voir placer des petites lampes. Et voilà, ok. Et bah du coup on a notre chemin jusqu'au temple qui est fait, c'est magnifique. C'est trop cool. Oh, j'adore, j'adore. Franchement, c'est un succès. Ce temple est un succès. Je sais pas ce que vous en pensez, on a une belle maison. On a un magnifique temple. Vraiment, c'est trop cool. Là j'ai envie d'emprunter, en vrai je vais peut-être mettre des escaliers. Je vais peut-être mettre des escaliers parce que ça fera moins sauvage quand même. Ouais, je vais mettre des escaliers. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai fait des escaliers en Mystic Stone aussi. Comme ça, c'est bien plus joli. Ouais, on va faire des escaliers. En vrai, je suis bien chaud pour mettre des petits escaliers. Je pense que ça serait très sympa. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Erwan. Mais des petits escaliers, ça pourrait être très cool. Donc, on va faire ça. Allez, au pire, on va tester. Puis, si c'est moche, bah, je les casserai. Hein. Écoute, c'est pas bien grave. Hop, on va mettre des petits escaliers. On va faire ça. Ah, hop, prends-les-moi. Tac, tac. Ok. Ça, 40. Nickel, et on va aller déposer ceci juste là-bas. Au moins, ça sera fait pour cet escalier. Voilà, et là, on va faire 4. Et ça va être très bien. Ouais, ça va être beaucoup mieux, même. Ça va être carrément mieux. Tac, 4. Oh, désolé, j'ai cassé une. Ah, bah non, décidément, j'avais cassé une petite feuille qui ne nous gênait pas. Une petite herbe haute, pardon. Hop, ah oui, d'accord, ok. Là, je suis un bolos jusqu'au bout. Voilà, parfait. Très bien, là, ici. Je vais pas avoir assez, hein. Fuck. Alors déjà on peut voir ce que ça donne. Oh, c'est quoi cet animal? Ah mais c'est un... Ok, c'est... Eh bah c'est carrément mieux. Franchement, j'adhère totalement. J'adhère totalement. Je sais pas ce que t'en penses toi. C'est carrément mieux, hein. Bon bah du coup on va recrafter quelques petits escaliers. On finit avec ça aujourd'hui. Et après, on va aller se faire des donjons. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit peu d'action. Là pour le coup, on a fait que des épisodes à faire du craft ces derniers temps. Hein, là, on a fait que ça. Et là, on va changer un petit peu. On va aller se faire un donjon. Je place ça.
on regarde ce que ça donne et on va faire un donjon. Bon bah regardez les amis à quel point c'est vraiment trop stylé. Après quand il y aura les petites lampes là sur les côtés et tout. Ouh loulou, ça va être magnifique tout ça. Vraiment, j'adhère totalement au projet. Ok, ça, il va falloir régler ce problème tout de suite. Voilà, problème réglé. Voilà. Et bah vraiment, trop cool. Franchement, j'adore. J'adore. C'est magnifique. Ok, bon bah du coup, je range mon inventaire. J'enlève les shaders. Et on va se faire un donjon. Je vous prépare une petite surprise. Alors écoutez les gars, bon, c'est tout de suite moins classe sans les shaders, hein, on va pas se le cacher que là ça détériore un petit peu tout ce qu'on a créé. Mais bon, ma bouffe elle est où? Ma bouffe elle est là, hein, on a toujours de la bouffe avec nous. Oh mais j'ai plus beaucoup de torches. Alors, j'ai pas rangé mon inventaire, n'ayez pas peur. Je regarde juste, j'ai des sticks, j'ai du bois, j'ai plein de bois même. Du coup je vais me refaire, non j'ai pas besoin de me refaire des sticks là, je vais juste me refaire des torches. Je vais aller choper un petit peu de charbon. Normalement, voilà, parce que j'étais allé en reminer. Oh, pff, bah, là on en a, allez hop ça c'est parfait. Tac, on crafte les torches, nickel, 51, c'est parfait. Je vais mettre ça là-dedans. Et du coup, le donjon qu'on va se faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai tout disable. D'ailleurs, la mine, on en a plus besoin. On peut delete ce home. Voilà. Et du coup, enabled tout. Et on va aller se faire aujourd'hui un donjon que j'avais repéré, qu'on n'a toujours pas fait, qui est le moulin rouge. Hein, on n'y était pas allé au moulin rouge, si je me trompe pas. Je vais réactiver. Mais normalement, on n'y était pas allé. Donc, on se téléporte. Ok, regarde, ça y est, c'est bon, on est rendu à ce que j'ai appelé le moulin rouge, hein, tout simplement parce que c'est un moulin et qu'il est rouge, c'est pas ce qu'on connaît tous à Paris, hein, voilà. Donc du coup, le moulin rouge, c'est parti, on va pouvoir tester ce petit donjon, voir ce qui nous attend à l'intérieur. J'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un cochon, là. Alors, déjà, j'entends quelques bruits à l'intérieur. Ah, mais attends, je crois que je suis... Ah oui, je m'étais mis en pissoule pour construire parce que ça me faisait un petit peu chier, je vais pas vous le cacher, de me faire attaquer par des mobs qui tirent des roquettes sur ce que je construis. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bonjour! Y a-t-il des mobs? Non, pas grand-chose pour le moment. Je vois pas trop de mobs. On a l'air d'être relativement tranquille. On a quelques coffres, etc. Alors, je pense que ça serait mieux qu'on fasse ça. J'ai mis 1-0 de trop, je crois. Voilà! Ok! Là, ça va être plus intéressant tout de suite. Du coup, allons choper... Oh, là! Hop. Ceci, là, je vois un coffre. Je veux l'y attraper! Donnez-moi ce coffre! Ok. Ouh, des livres. Ça, c'est parfait. Et là, respiration 2 et long cast 3. Je sais pas ce que ça fait. Un compas, on s'en fout. Et des feuilles. Bah écoute, on fera des livres avec ça. J'entends des zombies. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que les mobs ont commencé à spawner. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a des escaliers qui descendent aléatoirement vers une zone. Oh là là, on a des graines partout. Oh non, ça me foule mon inventaire. Oh non. Bon, bah j'ai pas le choix de les ramasser et de les jeter là-dedans. Voilà. J'ai pas besoin de tout ça. Je m'en occuperai une prochaine fois. Ok, donc. Ok, on va changer de botte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? A priori... Oh, des creepers. A priori, rien dans le bâtiment principal. On va aller dans les petites tours. Ah, mais il y a... Ah, mais où? Mais il y a plein d'autres étages, en fait. Attends, comment je fais pour monter là-haut, moi? Il n'y a pas un escalier, un truc? Là-bas, je vois qu'il y a un espèce de chemin. On va aller voir. Non, il n'y a absolument pas de chemin, en fait. Ah, salut! Ah, voilà, ça commence à spawner, enfin, des mobs. J'ai cru pendant un instant que je serais tout seul ici. En fait, non, pas du tout. Ok, là, bah, je vois qu'on peut, monter. Hein, voilà, c'est assez simple de gruger. Du coup, alors, un coffre, et bah, pareil, des livres, parfait. Blast Protection 4, Mending et Aqua Affinity. Et bah, parfait. Tac, alors, ok, ça, c'est fait. Là, on a une échelle. On va descendre, on va voir. Ah, là, on peut ouvrir. Ça, c'est très bien aussi, très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout d'intéressant. Ok. Allons voir là-bas. Eh ben ça, ça nous mène au bâtiment principal qu'on a déjà exploré. On va pouvoir monter cette échelle. Voilà. On a vu hein, qu'il y avait une araignée. Oula. Ok. Ça va être le moment de mettre ceci. Ah, fuck. Hop. Ok. Ok. Très bien. Le zombie. J'ai l'impression qu'il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Maintenant, je suis prêt à me combattre. Ok. Un creeper. Ah, dommage, pas toi que je visais. Ah, salut. Aïe. Allez, meurs. Non, tu ne mourras pas. Aïe, ta tête, comme d'hab. Qui est une très mauvaise surprise pour moi. Oula. Oula, toi tu es de retour. Salut. Bonjour. Je vous dérange pas, j'espère. Salut, je vais tous vous éliminer. Toi aussi, toi aussi. Oh, toi tu es un zombie, tout ce qu'il y a de plus normal. Ah, j'ai pris un coup de je ne sais où. Aïe.
Alors voilà, toi, je voulais te péter la gueule. Ah, t'es résistant en plus. Ah, t'es très résistant apparemment. Ok. Ah, toi. Ok. Ok, lui il est mort. Lui aussi. Ok, très bien. Ça c'est fait. Alors, on a un coffre qu'on va récupérer avant quelque chose. Ouh. Eh ben, c'est pas très intéressant, finalement. Du coup, là on a un escalier. Il faut que je fasse le tour, parce qu'il y a une barrière. Je ne peux pas passer. Il faut trouver le moyen de passer. À mon avis, ça doit pas être bien compliqué, puisque c'est là. Voilà, très bien, c'est parfait. Bonjour. C'est par ici qu'on se combat? Ouais, genre toi. C'est toi que je dois tuer. Oula. Oula, vous êtes beaucoup. Attendez. Oh, toi, je t'ai déjà tué. Eh, mais... Depuis quand il se téléporte comme ça? Aïe. Ouh, j'ai cru qu'il allait me péter la gueule. Ok, alors ça, c'est fait. On va remonter à l'étage suivant. C'est parfait. Alors, mangeons un morceau. La bonne mille, je prends. Les strings, je prends. Et le reste, on laisse. J'en ai pas besoin. Oula, toi, tu meurs. Alors là, on a rien du tout. Intéressant. On va. On meurt. Voilà. On va monter cet escalier. Ce serait bien que je passe niveau 30 encore une fois. On pourrait enchanter 2-3 trucs. Et ben, encore des feuilles. Encore des livres. Et Efficiency 3, Sharpness 3. Magnétique 1. Et Longcast 4. Et Appelling, je sais plus combien. Appelling 2. Ok. Alors là, on a rien ici. On va faire le tour. On va aller voir ce qui nous attend. Là, il y a un coffre qu'il faut que j'aille check de l'autre côté, du coup. Hop, on va descendre cet escalier. Salut! Aïe! Salut! Ok. Là, il y a un coffre. Ok, je l'ai déjà ramassé. C'était par là qu'il fallait que j'aille. Ok. Alors, le petit coffre qui se trouve ici, on va pouvoir le récupérer. Pomme en or, je prends. Nickel. Et les os aussi, accessoirement. C'est très intéressant, les os. Et voilà, là on est à la suite du donjon. J'espère qu'il y a un boss ou un truc comme ça. Ça serait bien un boss là. On n'a jamais eu vraiment de boss, à part au début du jeu quand on avait une armure un peu nulle. Mais ces mobs là maintenant c'est plus trop des boss quoi pour moi. Maintenant vous êtes un peu naze quoi. Ouh, il y a de l'orage. Ok. Non. Ah non. Mais non. Voilà, c'est bon, je reviens. Aïe. Quoi tu... Attends. Il faut que je refasse tout le tour quoi. C'était l'autre escalier. Hop. Oh, il y a des niveaux ici. Ça, je prends. Alors, je reviens, les mobs! J'arrive! Attendez-moi! Alors, il faut que je finisse de vous tuer. Je vous vois tous, les petits points jaunes sur ma map là. Vous êtes beaucoup à l'intérieur de ce bâtiment là. Bonjour. Où est le mob qui m'attaquait tout de suite? Il est là. Ah, voilà, tu es mort. Nickel ça. Alors, ensuite, si on fait le tour, on a rien. Oula, des zombies. Oula, il m'a perdu beaucoup de vie. Aïe. Pas qu'il me tape directement. Ok, on a de l'orage en plus. Ça rajoute un côté épique à ces combats. Ok. Aïe, ouh, là vous êtes beaucoup. Attends. En fait, c'est leur tête qui fait très mal. Ah non, en fait, non, ils font. Ah, oh, fuck. Chaque fois je tombe là. Ah bah, tiens. Ah bah, vous venez tous. Ah, bah, c'est parfait ça. Ah, allez, mourrez. Aïe. Toi aussi. Vas-y, meurs. Allez, mourrez là. Au bout d'un moment, faut arrêter de s'accrocher à la vie. Faut lâcher prise, hein, comme on dit. Et vous mourrez, quoi. Hein. C'est plus simple comme ça. Ça me permet d'avancer. On est niveau 29, ça c'est parfait. Alors là, on voit strictement rien. De l'or. Bah écoutez, c'est gratuit. Je prends. Ok, j'ai pris un coup. Par je ne sais qui, de je ne sais où. Alors, ouh. Oh, c'est joli. Oula, creeper bleu. Ah ben voilà. Un dommage pour toi, hein. Désolé. Ça a dû te faire. Aïe. Ok, allez, toi, tu meurs. Vas-y, reviens. Là. Voilà, allez, tu meurs. On n'a pas un coffre. Il n'y a pas un coffre, un cadeau ici. Il n'y a rien. Alors, il y avait un autre étage qu'on n'a pas exploré. On va aller explorer, on va aller voir. Mais en vrai, ça va, hein, tranquille ce donjon. Vraiment très tranquille. Hein. Vraiment, on fait ça tranquille. On fait le petit tour, on tue tous les mobs. Et ça se passe très très bien. J'étais en train de manger, là, tu m'as un peu déconcentré. Alors, je sais qu'il y a creeper. Voilà. Voilà, ok. Donne-moi l'XP. Très bien. On est niveau 29 quand on va pas passer au level 30. Ah, il y avait rien. Et ben on a fait tout le donjon quoi. What the hell. C'était le donjon le plus rapide que j'ai vu de toute ma vie. Attends, c'est sérieux cette histoire? Y'a pas un petit truc caché? Ah, alors toi, déjà. Oula. Oula. Ouh, y'a du mob ici. Ça c'est parfait. J'aime quand y'a un peu d'action. Nickel. Oula, là ma vie par contre elle prend un peu cher. Oula là. Ouloulou. Non, non, je mourrai pas là. J'ai pas le droit avec l'armure que j'ai de mourir. Oh là là. Ouh là là. Ouh là là. On va manger un morceau. Voilà, VGL. Voilà,
Et là ça va être très bien. Voilà, pour toi. Oui, toi aussi. Ici, ok, c'est bon, ils sont morts. Et je passe niveau 30. Yeah. Ça c'est parfait, très bon timing. Alors ça on a déjà exploré, hein. On sait qu'il n'y a plus rien à prendre ici. Et bah écoutez, on a fait tout le donjon. On a fait tout le donjon déjà, c'était très rapide. On l'a torché à une vitesse incroyable. C'est du jamais vu. Du coup on doit être à genre 5 ou 6 donjons terminés. 5 je pense. On doit être à 5 donjons terminés. Il faut qu'on en fasse 10, donc il nous en reste encore la moitié à faire. En fait il faudrait que je vérifie dans les épisodes d'Oxymode où j'en étais. Oh il est trop mignon ce biome. Attends, si je fais un wizard clear. Mince. C'était un creeper un peu plus puissant que les autres. Bah écoutez, vu que ça c'est fait, du coup, vu que je suis mort, déjà, wizard clear, hein, comme on a dit. Wizard clear, voilà, parfait. Et ensuite, du coup, j'ai envie d'enchanter ma pelle là. Vu que j'ai 30 niveaux, on va aller l'enchanter. D'abord, je vais déposer tout ça là. Voilà, parfait, ça aussi. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre ça, 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 j'ai plus de place. Ça, j'ai pas de place. Les feuilles, j'ai plus de place. Les minerais, voilà, ça aussi. Ça, je le mets dans bouffe. Et ensuite, tu sais quoi, j'en ai marre. Voilà, hop, ça, ça, ça va quand même dans le bon coffre. Deux minerais, hop, ok, parfait. J'ai envie d'enchanter ma pelle. Du coup, on va faire ça. Il faut juste le lapis lazuli. Ou plutôt, je fais une hache. Non, plutôt, je vais enchanter une hache, je pense. Je vais enchanter une hache. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du diamant. Il m'en faut 3. Voilà, 3. Et on va faire quelques sticks avec ce que j'ai dans mon sac. Tac, voilà, ça c'est parfait. On va faire des petits sticks. Hop. Et voilà, des sticks, une hache. Mince. Hop. Et voilà, ok. Hache en diams. Parce que bon, notre hache en fer qui est complètement pété là, on va s'en séparer quand même au bout d'un moment. Et on va essayer de faire un enchantement de dingue. Attention, mesdames et messieurs, efficiency 4, ça va, c'est cool, j'espérais mieux, hein, on va pas se le cacher, mais c'est mieux que rien, hein, c'est déjà pas mal, franchement, moi j'aime bien, mon armure commence à être un peu usée, mais bon, je pense que ça se répare assez facilement, enfin, assez facilement, ça veut dire qu'il va falloir recrafter les minerais bleus et tout, c'est pas si facile que ça, mais ça va se faire plutôt facilement quand même. Alors ça, hop, ça m'a pas fait gagner beaucoup de niveaux, et je les ai craftés pour rien au final, je les ai vraiment craftés pour rien parce que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Ok, franchement, c'est très très cool. Bon bah écoutez les amis, en tout cas on va s'arrêter ici pour cet épisode d'Oxymode. Je pense qu'on aura fait déjà pas mal de choses dans cet épisode et on a beaucoup de choses à aborder dans les épisodes prochains. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ça fiche juste au-dessus. Comme d'habitude, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, et bien allez, salut à tous, c'est Oxy, salut tout le monde.